Je m'appelle Alex Mavrovitch. J'ai couru le 1500 mètres et le 5000 mètres aux Jeux du Canada. C'est un objectif que je me suis fixé depuis un peu plus de 2 ans. Je suis très fier d'y être parvenu aujourd'hui. C'est pas la plus grosse compétition, la plus prestigieuse à laquelle je vais avoir participé. J'ai débuté à courir, j'étais tout jeune, j'étais au primaire, à la fin de mon primaire, je courais déjà tous les matins pour le plaisir, pour mettre en forme ou rien. J'aimais vraiment beaucoup faire ça. Ça a pris un certain temps, là, il fallait attendre l'été entre mon secondaire 2 et 3, là, quand j'avais 14-15 ans, pour découvrir que il se faisait de la compétition de ça. Alors j'ai commencé ainsi. Je viens juste d'aller courir 4 km pour dégourdir un peu mes muscles. Je vais faire quelques éducatifs, quelques exercices techniques. Après ça, quelques accélérations pour juste m'habituer un peu à la vitesse. Après ça, je débute l'entraînement officiellement. L'hiver dernier, j'ai remporté le championnat provincial universitaire sur 3000 mètres. J'ai également terminé 5e au 1500 mètres. C'est vrai que c'est relativement simple comme sport. Tout le monde peut aller courir, prendre plaisir à ça. Il y a une technique de course. C'est le même pas, mais il faut vraiment le mettre là, au beau fixe, s'assurer qu'il soit très précis pour être le plus économique possible, pas perdre d'énergie pour rien, être très efficace également à la course. On va également travailler plusieurs facettes de notre forme physique. On ne fait pas juste jogger là, pour s'entraîner, pour se préparer pour un 5000 mètres, un 1500 mètres. On fait des entraînements sur piste, des entraînements spécifiques au rythme de compétition. On fait des entraînements de vitesse pour améliorer notre vitesse également, pour être rendu plus confortable. Ah là, ça va bien. Je suis dans les temps qu'il faut que je cours. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et puis je crois que pour n'importe quel coureur, il faut avoir cette partie-là en soi. Ça m'a obligé à développer certaines capacités, dont le fait d'être capable de courir tout seul en avant. Là, ça me fait pas peur, moi, de prendre la tête d'une course et de courir tout seul. J'ai l'habitude d'entraînement de faire ça. J'aimerais bien avoir une médaille. Je dirais que ce serait l'objectif que je me fixe, surtout aux 5000 mètres où j'ai une chance tangible. Il va y avoir beaucoup de compétitions. C'est une course très tactique, très stratégique, qui va jouer sûrement sur les derniers tours. Alors j'espère être en bonne position pour pouvoir accélérer à la fin et être le meilleur à le faire pour pouvoir remporter une médaille.